privée d'antenne durant la saison 2020-2021, Michel Drucker a fait son grand retour à la télévision le dimanche 28 mars 2021 sur France 2. Au terme de sa convalescence suite à son opération du cœur, l'emblématique animateur a ainsi pu retrouver le chemin des plateaux. Ce grave problème de santé n'a donc pas empêché Michel Drucker de reprendre ses activités médiatiques. Si bien que le présentateur du service public a déjà une rentrée très chargée. Au programme, son retour sur les planches ainsi que l'anniversaire d'une émission culte. Une spéciale Champs-Élysées est prévue, pour fêter les 40 ans de l'émission. Et je reprends mon one-man show en janvier. J'y évoquerai toujours mon parcours mais il y aura une double nouveauté, je parlerai de ce que je viens de vivre mais avec dérision et je mettrai sur scène de Michel Drucker. Celui d'aujourd'hui dialoguera avec le jeune débutant grâce à une astuce technique que je vous laisse découvrir. A ainsi indiqué Michel Drucker sur le site de Téléstar le 5 septembre. Âgé de 78 ans, Michel Drucker continue de séduire les téléspectateurs en réalisant toujours de bons scores d'audience. Fort de plus de 5 décennies de carrière ainsi que d'un savoir-faire inégalable. France 2 aurait tort de se priver de ses services. Et de son côté, Michel Drucker compte bien ne pas cesser ses activités professionnelles. Retraite est un mot que j'ai rayé de mon vocabulaire depuis très longtemps. J'ai des copains qui ont un jour décidé de se retirer, ils se sont alors vus vieillir à une telle vitesse qu'ils m'ont déconseillé de les imiter. Comme m'avait répondu un jour Raymond DeVos, que j'interrogeais sur sa santé, c'est simple. J'ai arrêté de vieillir. Et l'animateur fourmille encore de projets en compagnie d'un grand champion olympique. J'ai démarré stagiaire aux Jeux de Tokyo en 1964. Mon vœu le plus cher est de couvrir ceux de Paris en 2024. Et j'espère bien que mon invité d'honneur sera Teddy Riner. Difficile d'arrêter Michel Drucker.